Le ministre délégué aux Affaires étrangères, Youssef Amrani, a reçu lundi à Rabat la présidente de la Commission des relations extérieures au Sénat colombien, Myriam Paredes Aguirres. Les deux parties ont passé en revue les principales questions inscrites dans l'agenda international, notamment la sécurité dans la zone sahélo-saharienne et l'évolution du processus de paix en Colombie. Moi, también, et à la base, el trabajo que se está haciendo. Je salue les efforts déployés par la Colombie afin d'assurer la stabilité dans ce pays. Le Royaume exprime son appui aux efforts du président Santos qui est en train d'avancer dans ses négociations politiques pour mettre fin au conflit des opposants aux forces armées révolutionnaires de Colombie. Conflit qui entrave le développement économique du pays. Pour pouvoir terminer avec ce conflit qui paralyse les efforts. Les deux responsables ont également évoqué la question de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc en rappelant leurs engagements respectifs pour parvenir à une solution politique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. La délégation du Sénat colombien salue les efforts du Royaume du Maroc pour parvenir à une solution au conflit du Sahara par le biais des négociations dans le cadre des Nations Unies. Une solution basée sur le réalisme et l'esprit de l'engagement. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue politique permanent entre les deux pays et contribue au renforcement de la coopération entre les institutions marocaines et colombiennes.